Oui, c'est sûr, c'est une super nouvelle. Je suis vraiment très content, à la fois vraiment surpris. Je m'attendais, mais alors vraiment pas du tout, à être pris pour au moins pour préparer ce tournoi. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que j'ai appris cette sélection au stage de préparation ce matin. Mais mon esprit est avant tout tourné vers ce match de ce week-end. Et je savourerai un peu plus cette sélection dimanche soir. Mon deuil, non, parce qu'une fois qu'on y goûte, c'est vrai qu'on a qu'une envie forcément, c'est d'y revenir un jour. Donc voilà, je suis vraiment très content, très fier, mais c'est vrai qu'après, pendant tout ce temps-là, non, je me suis pas plus pris la tête que ça avec l'équipe de France. Je continue à bien bosser avec le staff, avec l'équipe et à m'éclater chaque week-end. Oui, c'est vrai, aussi un peu plus, j'essaie de beaucoup travailler là-dessus. Après, voilà, blessure, pas blessure, ça c'est le loto. Du sportif, donc ça on peut jamais prévoir, donc c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ouais, ça récompense mon travail, le travail du staff et surtout le travail de l'équipe. Oui. Parasité, non, parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle, au contraire, moi ça me met un peu plus de. Enfin, un peu plus, non, même si je suis déjà vraiment très très concentré, vraiment tourné vers ce match de ce week-end, ça ajoute un peu plus de piquant, mais voilà, comme je le dis, je la savourais un petit peu plus et pleinement si on se qualifie dimanche après-midi. Oui, c'est vrai, que ce soit avec Gaël ou avec Jean-Marc, on se connaît vraiment très bien, donc ça peut être un avantage pour nous. Bon, après, je vais découvrir le nouveau discours de Guy et des autres coachs lors de la semaine prochaine, donc on verra bien à ce moment-là. Ouais. Sincèrement, je me suis vraiment pas posé la question. C'est vrai que j'avais vraiment à cœur de faire un gros match pour l'équipe, pour jouer cette qualification à fond. Donc, si ça fait jouer la balance en ma faveur, tant mieux pour moi. Sinon, je me suis vraiment pas posé la question pour. Enfin, ouais, parce que je pensais vraiment pas être repris pour ce stage. Ouais. Ah oui, c'est sûr, même si c'est une bonne période entre guillemets pour moi, c'est que le fruit du travail de l'équipe. C'est vrai que c'est un sport collectif, tout seul on peut rien faire et c'est le juste travail de toute l'équipe, du staff, des prépas, du médical. Et c'est vraiment un groupe qui en ce moment emmagasine doucement mais sûrement de la confiance, même si ben, voilà, malheureusement le match s'est soldé par une défaite ce week-end. Mais voilà, ça nous apprend que. Enfin, ça nous apprend. Oui et non, mais un match de haut niveau, c'est sur 80 minutes. Et malheureusement, on les a accrochés sur 79 minutes et 40 secondes. C'est vraiment très important pour nous, déjà pour l'équipe, pour les joueurs, pour le staff, aussi pour le supporter, pour les supporters, pour le club. Donc voilà, on sait vraiment à quoi s'attendre ce week-end. Une très belle équipe du Connacht qui joue vraiment très bien. Un très beau rugby, vraiment puissant, très rapide. Donc, on sait à quoi s'attendre. On n'aura pas l'excuse. On n'aura pas d'excuse ce week-end. Donc, on essaie de préparer au mieux cette rencontre et de mettre tous les bons ingrédients pour dimanche.